Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, chers amis, nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes dans la série Parole vie et édification, l'évangile de Jean, deuxième partie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de conclure le quatrième livre. Le titre du quatrième livre, c'est Le chemin, la vérité et la vie de notre bien-aimé frère Pedro Dong. Et la semaine 4 de ce livre a comme titre « Je suis le cèpe et vous êtes les sarments ». C'est ce que le Seigneur Jésus avait dit et qui se trouve dans Jean chapitre 15. La référence biblique, c'est du verset 1 au verset 11 par rapport au sujet que nous allons traiter cette semaine. Durant cette semaine, dont l'auteur nous aide à voir que le livre de Jean est composé de deux sections. La première section, chapitre 1 au chapitre 13, qui traite d'amener Dieu vers l'homme. C'est ça le contenu. Et à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 21, il s'agit d'amener l'homme vers Dieu. Donc, amener Dieu vers l'homme et après amener l'homme vers Dieu. Le chapitre 14, dans cette semaine, c'est le chapitre 15. Donc tout ce qui sera traité à partir du chapitre 14 a cet objectif. Ça c'est le désir de Dieu depuis le commencement de se mélanger à l'homme pour produire une seule entité. Dieu et l'homme, l'homme et Dieu. Et lorsque Dieu a créé l'homme, le frère Pedro nous a aidé à voir que Dieu a créé l'homme de manière spéciale. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, nous voyons que l'homme a été formé par Dieu à partir de la poussière de la terre. Il a formé une statue de terre. Donc, l'homme a eu ce corps que nous voyons, la partie matérielle qui vient de cette poussière de la terre. après avoir créé fait en fait cette statue il a soufflé en elle et l'homme est devenu une âme vivante le souffle de dieu qui s'appelle nechama a produit l'esprit de l'homme et aussi son âme Donc, le corps de l'homme est passager temporaire mais l'esprit et l'âme sont éternels Grâce soit rendue à Dieu. Dieu a créé l'homme de cette manière afin que l'homme puisse le recevoir et qu'il puisse se mélanger à l'homme, qu'il puisse entrer en l'homme. L'homme a été créé dans cette manière spéciale. Dieu a un grand attachement à l'homme car il l'a créé pour l'exprimer. Tous ceux qui croient au Seigneur reçoivent la vie de Dieu en eux et commencent à vivre selon cette vie, et exprimer Dieu dans leur quotidien. Allant à l'évangile de Jean chapitre 15, le début dit ceci, le Seigneur Jésus dit, je suis le CEP vrai, vrai, le vrai CEP, et mon Père est l'agriculteur. Donc, le Seigneur Jésus est le vrai cèpe. Et il dit que le Père, Dieu lui-même, est l'agriculteur. Ici, l'agriculteur, c'est celui qui donne tout pour la subsistance de l'homme. Tout ce dont nous jouissons aujourd'hui, l'existence de l'homme, tout cela a été donné par Dieu. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture, mais non seulement les choses matérielles, Dieu est aussi la source de la vie, la partie spirituelle, afin que l'homme puisse croître. Donc cette vigne, ce cep, euh, grandit, croit par la vie de Dieu que l'homme reçoit. Donc Dieu est la source génératrice de cette vie. la source qui introduit cette vie, qui dispense cette vie en l'homme et pour l'homme. Donc le Seigneur, est, le Dieu est cet agriculteur. Donc il donne sa vie à l'homme afin que l'homme puisse coopérer avec lui et faire sa volonté. Le verset 2 dit, toute branche qui est en moi et qui ne produit pas de fruits, sera retranché. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc nous sommes encouragés, car Dieu veut que nous soyons en lui, en le Fils comme un véritable cèpe, afin que nous soyons des personnes productives. Donc, toute branche ou tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits sera retranchée, sera émondée. Et toute, toute branche qui produit du fruits sera nettoyée afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, vous voyez la condition de la branche qui ne produit pas. On doit couper. Pourquoi Parce qu'il occupe de l'espace, l'espace des autres branches qui veulent produire. Donc nous ne pouvons pas être dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur, juste pour occuper de l'espace, occuper l'espace des autres. Mais nous devons être productifs. Nous devons produire des fruits pour Dieu. Et il nettoie celui qui produit. Donc il y a l'aspect de nettoyage et l'aspect de retrancher pour qu'il produise encore plus. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est productif spirituellement, le Seigneur vient vous nettoie afin que vous produisiez plus de fruits. Alors, nous n'allons jamais arrêter de faire ce que Dieu nous a appelé à faire, la prédication de l'Évangile, prière pour les personnes, mais nous ne devons pas nous accommoder à cela sur le succès. Que le Seigneur vienne nous nettoyer afin que nous puissions produire plus encore. Donc, il ne veut pas que nous soyons des bons conférenciers, des personnes éloquentes qui parlent bien, qui débattent sur la vérité, qui euh, font des discussions sur la Bible. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons des personnes qui produisent des choses à lui. Il y a des gens qui sont des conférenciers qui parlent bien. Mais qui ne produisent rien. Le Seigneur veut nous délivrer de cette situation. Comme nous avons vu l'église à Sardes, dans les sept églises d'Apocalypse, Épocalypse 2 et 3, nous voyons l'église à Sardes, qui a le nom de celui qui est vivant, mais qui est morte. Car cette église ne produisait rien par rapport à la vie, n'avait que l'apparence. Et lorsqu'on parle de production, le frère Père nous a amené à Esaïe 42, verset 5, qui dit ceci. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Voyez comment ce Dieu se préoccupe de la production. Il a formé la terre et tout ce qu'elle produit. Et il donne le souffle au peuple qui vit et l'esprit à ceux qui marchent. Dans Isaïe 55, 10 et 11, un texte bien connu. Et si c'est encore plus clair, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est pour qu'il y ait une certaine production. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc ici, nous rendons grâce à Dieu. Ce fruit vient d'où? Comment pouvons-nous être des personnes productives? C'est à travers la parole. Donc, nous devons accorder beaucoup d'attention à la parole. C'est pour cela qu'au verset 3 de l'évangile de Jean 15, il dit ceci, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Alors cette parole vient comme de l'eau. D'un côté, elle apporte des nutriments, elle apporte quelque chose de divin, elle apporte l'essence de Dieu à l'intérieur de l'homme, l'homme qui l'a créé, ceux qui ont cru en lui. Et cette parole vient aussi pour nettoyer. Elle apporte les richesses de Dieu d'un côté, nous remplit de cela. Et nous nettoie en lèvres ce qui ne sert à rien, qui ne sert pas à l'œuvre de Dieu dans l'édification. Il y a beaucoup de choses qui sont inadéquates en nous, beaucoup de traditions, des vieillesses spirituelles. Et ces choses nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur vient par la parole et nettoie ces choses en nous afin que notre cœur soit pur. C'est pour cela que lorsque Dieu a créé l'homme, le frère dit cela dans ce message, son objectif, c'était que l'homme le reçoive. C'est pour cela que l'homme a le cœur qui est composé des trois parties de l'âme plus l'esprit. Donc l'homme a été créé de cette manière pour entrer en lui, se dispenser en lui afin que l'homme soit utile à Dieu. Donc, ici, il dit, demeurez à moi. Ah oui. Avant d'avancer, Ephésiens 5, 25 à 27. C'est un texte que nous connaissons bien aussi. Il dit ceci, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc vous vous rendez compte que Dieu nous envoie une parole pour nous laver, pour enlever toute manche, toute ride, afin de sanctifier l'Église et rendre l'Église glorieuse. Ainsi, nous serons préparés afin d'être introduits en Dieu. Tout comme le Fils a été introduit dans le Père à travers sa mort et résurrection, il est allé à la gloire. Il est entré dans le Père. Nous aussi. Il veut nous amener vers le Père. Il veut nous glorifier. Pour cela, nous devons passer par ce processus de nettoyage. Et ce nettoyage se produit au moyen de la parole. Que nous puissions réellement nous remettre à la parole. Chaque fois que nous écoutons la parole, que le Seigneur nous aide à accueillir cette parole. Et l'appliquer dans notre vie et produire quelque chose à Dieu. Verset 4 de Jean chapitre 15. Et de demeurer en moi et je demeurerai en vous. Donc ici, il s'agit de demeurer mutuellement. Nous demeurons en lui et il demeure en nous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de leaders chrétiens s'appuient beaucoup sur leurs propres capacités. Nous aussi, parfois, nous nous appuyons sur notre propre capacité, pensant que c'est par notre propre capacité que nous pouvons faire quelque chose pour Dieu. Nous nous basons sur nos expériences, sur nos capacités. Ici nous voyons clairement que nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas connectés à Dieu. Donc nous devons nous connecter à Dieu. Et durant, euh, cette semaine, on voit aussi comment l'homme se connecte à Dieu à travers le cœur. Le cœur a les trois parties l'âme et la conscience. La conscience est une partie de l'esprit qui, à son tour aussi, a trois parties. L'esprit humain est composé de trois parties. C'est composé de la communion, de l'intuition et la conscience. Donc la communion nous amène à Dieu. Nous établissons la communion avec Dieu. Et cette communion nous amène à avoir une intuition, à connaître la volonté de Dieu, à connaître plus Dieu. Et cette intuition fait en sorte que cela parvienne à la conscience. La conscience fait la connexion entre l'esprit humain et l'âme. C'est pour cela que le cœur est composé de pensée, de volonté et émotions. Qui est l'âme, plus une partie de l'âme qui est la conscience. Donc la conscience amène cet ordre de Dieu à la pensée de l'homme. Et la pensée l'amène à l'émotion. Et l'émotion l'amène à la volonté. Ainsi, l'homme décide de faire la volonté de Dieu. Car il ne s'agit pas de faire notre propre volonté, mais celle de, de Dieu. Quand nous prêchons l'évangile, nous abandonnons les personnes. Puis-je prier pour vous? Nous leur apportons la parole. Nous serons en train d'obéir à un ordre qui vient à travers la communion que nous avons avec Dieu. Cette communion nous a donné une intuition, amenée intuition, à la conscience. Et la conscience fait la connexion entre l'esprit et l'âme. On va par la l'émotion, et enfin, la volonté, pour faire la volonté de Dieu. Il y a un diagramme très intéressant que vous pouvez voir durant cette semaine dans le livre. Donc, c'est à partir de là que vient notre capacité de faire la volonté de Dieu. Et non notre propre capacité, mais c'est à partir de la connexion de l'homme à Dieu. Comment est faite cette connexion? C'est à travers la parole. Le verset 5 dit. Je suis le cep et vous le serment, c'est le site de cette semaine. Je suis la vie et vous le cep. Celui qui demeure en moi et moi en lui donnera plus de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous ne sommes pas capables de faire l'œuvre de, de Dieu. Cette force suffisante vient de Dieu lui-même. Cette expérience et il nous dit que notre capacité, c'est dans Corinthiens, n'est-ce pas Notre capacité vient de Dieu. Celui qui demeure en moi. Il dit si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le saumon. Il sèche puis on ramasse le saumon, on le jette au feu et il brûle. Ici, ça ne veut pas dire que la personne a perdu le salut. Ici, il s'adresse aux chrétiens, quelqu'un qui est converti à Christ. Alors, comment il sera lancé hors Comment il sera jeté dehors Il sera jeté dehors si ce n'est pas aligné à la volonté de Dieu, si ce ne fait pas la volonté de Dieu, alors il est jeté dehors. Ça, c'est une discipline dispensationnelle. Par exemple, ceux qui font la volonté de Dieu. Après l'ère de l'Église, nous allons entrer dans l'ère du Royaume millénaire. Ceux qui font la volonté de Dieu aujourd'hui, qui seront vainqueurs, vont régner avec Christ durant mille ans. Et ceux qui ne seront pas des vainqueurs seront dehors, dans un lieu que la Bible appelle les ténèbres de l'extérieur, où il y aura les cris et les grincements de dents. Donc, c'est une période de discipline dispensationnelle. C'est pour cela que vous et moi aujourd'hui, nous devons être attentifs et toujours connectés au Seigneur, ne pas se laisser distraire par d'autres choses. Accueillons la parole qui nous est annoncée avec douceur et permettre que cette parole puisse accomplir ce qui plaît en Dieu, ce qui plaît à Dieu en nous. Et si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que cela veut dire Notre pratique actuelle nous aide à comprendre que de manière une manière simple de demeurer dans le Seigneur, la manière pratique, c'est l'immersion dans la parole. Nous pouvons prendre la parole que le Seigneur est en train de nous dispenser et immerger en elle. D'un côté, vous faites l'immersion en entrant dans cette parole, permettant que cette parole entre aussi en vous. ainsi, vous pouvez vous approfondir, vous pouvez proclamer cette parole. les adolescents sont en train de nous enseigner comment apprécier la parole. ils font la transcription de la parole. ils font l'immersion dans la parole. ils font des cris de guerre, poussent des cris de guerre. Ils sont en train de nous donner une leçon de ce qu'est apprécier la parole. Ils appliquent cette parole dans leur vie. Ils sortent avec légèreté, avec grand courage, sans crainte, pour apporter cette parole et prêcher l'évangile à d'autres personnes dans les rues. Amenant le plus prier pour vous. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, tout cela, c'est le résultat de l'immersion dans la parole. Ils reçoivent les éléments de Dieu à l'intérieur de l'essence de Dieu. Et Dieu les utilise. Et il dit, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lorsque je fais l'immersion dans la parole, je peux savoir quelle est la volonté de Dieu. Et ma prière sera selon la volonté de Dieu. Je prends L'immersion, j'ai pris non seulement selon ma, ma volonté, mais selon la volonté de Dieu. Et non selon ce que les gens veulent que je prie, mais selon la volonté de Dieu. Et beaucoup de miracles vont s'accomplir. Les miracles sont déjà en train d'être accomplis en pratiquant cette parole. Verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Ceci paraît simple, n'est-ce pas? Il dit, vous serez mes disciples. Ici, lorsqu'il parle des disciples, ce sont des personnes qui produisent, des personnes qui reçoivent la parole du Seigneur comme un ordre, comme un commandement. Et ils pratiquent cette parole. Donc, si vous êtes cette personne, vous êtes une personne gouvernée par le Seigneur. Quand le Seigneur a dit d'aller prêcher l'Évangile et de faire des nations des disciples. C'est pour établir beaucoup de disciples de Christ, des personnes gouvernées par Christ dans leur quotidien. Aujourd'hui, les gens sont conduits par leur propre tête. Mais nous devons prêcher l'Évangile et faire en sorte que les personnes puissent expérimenter le gouvernement de Dieu dans leur vie. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Lorsqu'on parle de l'amour ici, il s'agit de l'amour agapé. Dieu lui-même. Nous ne devons pas oublier la parole que nous avons reçue sur les fils de chaîne et les fils de trame. Les fils de chaîne, c'est lié à Dieu lui-même et les fils de trame, c'est notre relation avec les frères. Cela va produire un tissu d'amour. Ça commence par l'amour de Dieu qui, le, qui représente les fils de chaîne et après notre amour avec les frères, les fils de trame. Ainsi, Dieu va produire un beau tissu d'amour. Que le Seigneur puisse continuer à faire cette œuvre en nous. Nous devons toucher à l'amour du Seigneur. Cet amour qui réellement nous lie, nous amène à faire la volonté du Seigneur. Cet amour qui nous enlève de, no de notre zone de confort, qui nous enlève de nous-mêmes pour coopérer avec lui. C'est dit si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 11. Et nous allons conclure cette semaine par le verset 11. Il dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Dans la version qui vient de s'actualiser, il utilise le mot allégresse à la place de joie afin que mon allégresse soit en vous et que votre allégresse soit parfaite et par ici quand il dit parfaite c'est pléroa pléro, en grec ça veut dire remplir jusqu'à jusqu'à jusqu'au rebord jusqu'à la plénitude par exemple lorsque vous allez dans une station service pour faire le plein peu importe le carburant vous Si vous mettez quelques centimes, quelques francs tout simplement, ça c'est une chose. Mais lorsqu'on remplit, là c'est ce que le Seigneur veut faire. Quand on fait le plein, il veut remplir jusqu'au rebord. Il veut que notre joie, notre allégresse soit complète. Et lorsqu'on parle d'allégresse, le frère Pedro nous amène à voir que cette joie est liée au retour du Seigneur. Nous qui servons le Seigneur, nous qui sommes ici pour hâter le retour du Seigneur par la prédication de l'Évangile avec la dédication de l'Église, cherchant à rétablir son royaume sur terre, nous jouissons de cette joie. Rien ne peut enlever cette joie de nous. Et le frère nous amène dans l'Ancien Testament où il y a plusieurs prophéties qui parlent de, du retour du Seigneur. Et tout parle de joie, d'allégresse, de jouissance. Nous n'aurons pas le temps de lire tout le texte, mais vous pourrez lire ces textes. Je voudrais juste vous lire un pierre, un. Hein? On va voir le résultat de cet amour, de cet entrelacement de l'amour de Dieu. En fait, cet amour apporte une colle, une adhérence qui nous unit aux personnes. C'est très riche et très consistant. Le résultat de tout cela, c'est la joie, l'allégresse. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle de cette joie, dans 1 Pierre 1, verset 6 dit ceci. On va conclure ici. Okay? Après, vous allez lire les autres textes pour jouer encore plus de cette semaine. Empire 1 Pierre 1,6 C'est là ce qui fait votre joie. Quoi que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, Ce qui se passe, dans la vie des chrétiens, les souffrances, les épreuves, les moments de tristesse, le Seigneur permet que nous passions par certaines situations car il travaille, il est en train de travailler en nous, nous purifiant. Il est en train de produire quelque chose de réel, de véritable en nous. Notre vie est si remplie de choses fausses qui ne sont pas réelles, de vanités dont le Seigneur travaille en nous chaque jour. Elle dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le verset 8 dit, ⁇ Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. ⁇ vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. C'est quelque chose d'inexplicable. Cette joie, nous ne savons comment l'exprimer, dire ce qu'est cette joie. Mais c'est quelque, quelque chose de merveilleux qui est en train d'être produit en nous. Donc nous devons vivre cherchant à être connectés au Seigneur. Permettre que cet amour nous remplisse, que cet agriculteur travaille en nous. Cet agriculteur veut travailler dans notre cœur. Notre cœur est comme la terre. Il veut rendre cette terre productive. Dans Matthieu chapitre 13, nous voyons que le semeur est sorti pour semer. Et lorsqu'il sort pour semer, il trouve quatre types de sols. Le premier sol, un sol rocheux. Le deuxième, c'est un sol rempli d'épines. Le troisième. Pardon, le premier type de sol, c'est une terre endurcée. Le deuxième type de sol, c'est une terre pleine d'épines. Le troisième, un, un sol rocheux. Et le quatrième type, c'est la bonne terre. Ce que le Seigneur veut produire en nous, c'est un cœur adéquat. Il est sorti pour semer et cette semence, la parole du royaume, doit entrer en nous et produire. Et cette bonne terre produit à, à 30, à 60 et à 100 par an. Donc que le Seigneur puisse faire de chacun de nous ses enfants, ses serviteurs, ses frères, ses amis, des coopérateurs qui lui sont fidèles et des personnes productives nous retirons de notre zone de confort, de la tradition, de la vieille, vieillesse. C'est pour cela que nous devons regarder nos adolescents, nos enfants qui sont là et qui croient sans voir et qui avancent par la foi. Au fur et à mesure que l'homme croit, il veut d'abord voir des choses avant. Il perd l'opportunité de vivre par la foi. Moi, je veux vivre par la foi en croyant, simple comme un enfant et permettant au Seigneur de faire son œuvre en moi. Donc cet amour va grandir en moi. Le résultat, ça sera une joie invisible et pleine d'amour. Le Seigneur est en train de nous préparer pour nous introduire en lui-même dans la gloire. Jésus est le Seigneur.